Tiens, Saxi, si tu m'entends, je voudrais te montrer quelque chose. Voici, ça c'est mon Quick Bolt. Voilà, je l'ai gardé. Pardon. Enfin, c'est pas mode campus, c'est plutôt mode. Je prends pas de risque, quoi. Notre drone est activé. Ils vont arriver par là, du coup, tu vois. Oh, il y avait 4 mecs encore et c'est la fin de la partie, bordel, sa mère! Ah, c'est dégueulasse, t'as pas pu attendre. Ah, regarde-moi ça, boum, le deuxième. Et là, il y a encore un mec là, putain. C'est dégueulasse. Arrête de sauter, mon con. Bah, j'arrête de sauter, c'est le jeu, hein, c'est Advance Warfare. Advance Warfare, tu sautes, hein. On s'excuse, hein, c'est pas moi qui ai créé le jeu, hein. J'aurais créé le jeu, déjà, j'aurais mis... j'aurais pas mis le NA45, hein. J'aurais pas mis le Lynx, j'aurais mis l'Intervention, le M40A3, le MSR, le Ballista, le Kar98, etc. Tu vois, j'aurais mis un best-of de tous les snipers. Je sais pas pourquoi ils le font pas, tu vois, genre, même franchement, déontologiquement, même s'ils nous vendaient les armes en plus, ça me dérangerait pas. Tu vois, du genre, vas-y, je te mets l'Intervention, si tu veux l'Intervention, bah, tu payes 3€, franchement. Alors, c'est vrai que ça casserait les couilles, mais... Mais tu les payes, quoi. Faut être honnête, quoi. Enfin, je les payerais plus volontiers sur Black Ops 2 qu'Advance Warfare. T'imagines Black Ops 2 à l'intervention. Oh. Ouais. Oh. Mais non. L'USR te manque-t-il? Moi, j'ai fait une petite partie aujourd'hui à l'USR. Et c'est vrai que, tu vois, autant bah Ghost, c'est pas forcément le meilleur Call of, loin de là, hein. Mais il faut être honnête que... Merde, bordel, tu vas crever, chien. Et il faut reconnaître que l'USR est franchement un sniper super kiffant à jouer avec. J'adore l'USR, et j'en parlais tout à l'heure avec Saxi, il était d'accord avec moi. Il était même déçu de pas avoir une variante de l'USR pour pouvoir le jouer en 1 contre 1. C'est vrai qu'on peut critiquer... Ghost comme on veut, tu vois, on peut dire que c'est de la merde, etc. Et on n'aurait pas forcément si tort que ça. Mais en termes de choix de sniper et en termes de jeu de sniper, Ghost est vraiment un très bon jeu. Alors certes, c'est vrai que c'est frustrant de se faire buter par n'importe quelle arme du jeu en l'espace de 3 millisecondes à n'importe quel moment et n'importe quelle distance. Mais on doit reconnaître que en termes de sniper, Ghost est vraiment un bon Call of, sur lequel il y a vraiment moyen d'avoir du choix, de faire des swaps. Tous les snipes, ils one-shot vraiment très bien, ça vise assez vite, etc. Donc, bah, attends. Ah, foiré. Donc voilà, on peut dire que c'est de ce côté-là, c'est vrai que c'est un très bon jeu, quoi. C'est juste dommage que le reste ne suive pas, voilà. Mais moi, ce que je rêve, tout simplement, c'est qu'il nous fasse un best-of Call of, quoi. Oh, la collate. Oh non, foiré. Genre, il pourrait difficilement, je pense, faire tous les Call of en un best-of sur... que ça soit sur Next Gen, quoi, Xbox One ou PS4. Mais tu vois, il pourrait faire un pack Treyarch et un pack... Un pack Infinity War, tu vois, genre les jeux d'Infinity War et les jeux de Treyarch, comme ça, ça leur fait deux jeux à vendre, ils sont sûrs de les vendre. Personnellement, moi j'achète les deux direct et je pense que je suis pas le seul. C'est en soi pas si compliqué que ça, mais s'ils le font pas, c'est pas parce qu'ils savent pas le faire, hein. C'est juste parce qu'ils ont pas envie de se faire chier, alors qu'ils gagneraient du pognon facilement. Mais par contre, ils pourraient faire sur le prochain Call of, par exemple, ce qui serait une bonne idée. Ils font, on va dire que c'est Black Ops 3 qui sort. Moi, j'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Mais mettons, c'est Black Ops 3 qui sortent. Ils font Black Ops 3 plus Treyarch Old School Edition ou Story Edition ou un truc comme ça. En plus, comme ça, t'es sûr que le jeu,
ils vendent les deux en un et il fait pas de concurrence à l'autre. Je crois qu'on rêve tous de ça, mais on l'a pas. Bah, BO2, je trouve qu'il est bien dans le sens de l'équilibre. Toutes les armes peuvent être vraiment super efficaces. Il n'y a pas vraiment une arme super au-dessus du lot. Tu vois, comme sur Advanced Warfare, où tu regardes la balle 27 et la SM1, elles sont nettement et clairement au-dessus du lot. C'est pour ça que tu vois que celle-là. Sur BO2, tu as des armes qui sont meilleures que d'autres, c'est normal. Hein, mais il n'y a pas vraiment une différence de ouf, tu vois. Et la durée de vie est aussi plus élevée, je trouve. Mais s'ils sont capables de nous faire un Black Ops 3 supérieur à Black Ops 2... Dans le cas de figure où franchement je trouve que Black Ops 2 déjà vraiment une très bonne réussite. T'as qu'à voir, hein, Black Ops 2 depuis 2 ans, c'est le Call of où il y a le plus de monde. Hein. Donc c'est pas pour rien à mon avis. S'ils sont capables de nous faire un Black Ops 3 supérieur à Black Ops 2, je vote pour Black Ops 3 direct. Hein. Voilà, il y a moyen. Non, foiré ! Classerais-tu Titanfall ou Ghost dans le beat de l'année 2014 ? Titanfall, clairement, ouais. Titanfall, c'est... Tout le monde a parlé. Titanfall, Titanfall. Le jeu est sorti, c'est comme... Quoi? Hein? Non, rien, merci. Non, ça va. Non. Tout le monde s'en battait les couilles. T'as pas trop fait rager Sexy pour son docteur? Si, comme j'ai dit au début, j'ai cru que Sexy allait pleurer. Il était dégoûté quand on a fait le 1 contre 1. Alors, ça s'est vu sur la vidéo à la fin. Il était dégoûté. Il était vert, bleu, rose, jaune. Il était ça. Mais après, quand on a fini la vidéo pendant une heure, le mec il était ultra méga blasé. Il en pouvait plus. Il était là. Je suis sûr qu'il a pleuré. Mais là, mis à part le morse, il y a que ça comme arme à verrou. Il y a que le morse. Le NA45, c'est. C'est de la merde. Le Lynx, c'est de la merde. L'Atlas, c'est de la merde. Voilà. Après, faut le dire, quoi. C'est de la merde. C'est pas ce qu'on pourrait dire un bon snipe, tu vois. Je pense que personne, après Advanced Warfare, va dire « Oh putain, ça serait bien s'il nous remettait le NA45 et tout, c'était vraiment un snipe mythique. » Non, je pense pas, tu vois. Le morse peut-être. Moi j'adore le morse dans le sens où y a pas de chargeur, donc c'est vraiment un kiff, quoi. L'Atlas ça va encore. Ouais, ça va encore l'Atlas, mais franchement, je veux dire, déjà il a aucun style, il est ultra moche l'Atlas, hein. Faut dire ce qu'il est, c'est vraiment une machine à laver ce truc là. Sky, pour ton lave question, as-tu un frère ou un cousin qui est agriculteur en Normandie? C'est sérieux? Non. Non, pas du tout. Enfin, pas que je sache, à savoir. Peut-être mon père m'a pas tout dit, mais... Parce qu'il paraît qu'il voyageait beaucoup. Ça va, je ne sais pas, mais je ne pense pas, non, je ne pense pas. Sky fait de la SND hardcore. D'accord, regarde la pêche. C'est des hardcore quand même, exagère pas. Est-ce que tu vas rejouer sur PC? Peut-être, mais si je rejoue sur PC, je vous promets que je le ferai au souris et clavier. Et là, ça va être quelque chose, hein, franchement. Amour, gloire et beauté. Mon niveau? Hein? T'as vu mon niveau? 50. Oh putain, mais t'es Prestige Master! Oui, ça y est. Alors attends, je vais muer tout le monde. Parce que, voilà. Je t'ai mué. T'imagines que si ça serait bien vraiment dans la vie de pouvoir faire ça, tu sais. Genre t'es là, il y a des gens qui sont dans une fête et tout. Il y a des gens qui te cassent les couilles et tu les muais comme ça. Je t'ai mué, ta gueule. Ça serait classe quand même, parce qu'il y a souvent des gens qui parlent et t'en as rien à foutre. Fils comme moi. Je savais que t'allais le faire, enculé. Comme au moment où j'étais en train de dire, je savais que t'allais le faire. J'en ai marre. On n'a pas joué déjà que je feed, j'en ai marre. Alors on va essayer de faire une double feed en live, parce que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Moi personnellement, je regardais Dragon Ball Z, bien évidemment, parce que c'était vraiment... Alors Dragon Ball Z... Mais carrément. Bah bien sûr. Mais comment as-tu pu oublier? Mais carrément, c'est toute une enfance là aussi. Dragon Ball Z, c'était épique. Et Ken le survivant. Qui c'est qui t'a Ken? Ça fait tu vas jouer au docteur? Tu la fermes ta gueule là, hein? Connard. Ouais, je sais. Putain, mais c'est vrai que j'ai... Putain. Ouvre ton largage à la fin de la game et débloque The Docteur en live. Oh putain, non. Je... Oh non, 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 non.
Ah, j'en connais un qui aurait les boules, mon pote. Oh, ce truc de fou, si ça arrive, mec, je t'entends un gros coup de poing sur mon écran, là. T'entends... Allez, on l'ouvre en live, et est-ce qu'il y a le docteur ou pas? Attention. Je l'ouvre. Non, de toute façon, tu l'auras pas, je le sais. Non, je l'ai pas. Là, ma petite femme est arrivée. Donc, salut ça va être... Pardon. Donc ça va être la dernière partie, puis après je vous laisse, parce que ça va être l'heure de faire la sieste. Bah, je pense qu'on n'a pas vu surtout. Si les gens sont intéressés pour du BO2, tapez BO2 au 73636. BO2 au 73636. 3615 ULA. U2LA. Tu veux des fichottes dans ta région? Donc voilà, donc c'est à peu près tout. En tout cas, bah, je vous remercie vraiment tous d'avoir suivi ce live. Ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est tout. Hein. Et puis je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, parce que là je pense qu'il va être un petit peu tard. Il est bientôt minuit. Donc excellente soirée à tous. On se retrouve demain pour les streams sur les DLC Avoc d'Advanced Warfare et Zombie. Aïe aïe aïe. Zombie, soit demain, soit mercredi. Mais il y aura du zombie, ne vous inquiétez pas. Et puis bah merci à tous. Allez, ciao, bye bye.